Vous vous rappelez le film qu'on vous a montré? I think last year. Je pense que c'est l'année dernière. So this is a continuation. C'est une continuation de ce film. And it is important for everyone. Donc c'est important pour chacun d'entre nous, as a child of en tant qu'enfant de Dieu. We can be busy for God. On peut être occupé pour Dieu. But we will miss the purpose of God. I pray today none of us will miss the purpose of God. In the name of Jesus Christ. We have walked it by the grace of God. And so we will not interpret. Because the pastoral team did a great job. They were able to subtitle the film. It is a wonderful thing. God bless you. We are going somewhere. Just be ready, 2020. Amen. Please watch and be blessed. Alors, regardez, soyez bénis. Amen. I don't want to let you.
kings are there also. My children are inside also. Yes. Jesus. God. Again, he did the man. Let's look for quality souls.
What is a politician? Christ est mort à la croix pour nous. Christ died on the cross. Christ est mort à la croix. No one else died. C'est pourquoi l'âme des qualités, les autres disent quoi? C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est celui qui est fou. The one is crazy. Celui qui est folle. The one is tout crazy. One. Amen. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? La personne qui n'a pas pu évangéliser. The lady that couldn't evangelize. Parce qu'elle produit les mêmes choses. And answer the same thing. Et qui a payé le prix? And who paid the price? C'est celui qui était avec lui. It's the one who was with her. Il a perdu trois personnes. And he lost three people. Ses enfants et sa femme. Ça fait and quatre personnes. So ils sont décédés. Four people died because of à cause d'une faiblesse. And weakness. La faiblesse de partir, de se connecter, de se connecter. The weakness to connect véritablement à la volonté de Dieu. The will of God. Parce qu'on peut être because occupé. We can be on busy. Peut avoir un poste. We can have a post. Mais en réalité, but a position, but on n'est pas à ce poste. We are not in this position. On peut être coupable de ce poste-là. Can be guilty et je vous assure, and I assure you, selon la parole de Dieu, according to the word of God, this lady, elle va témoigner des âmes de ceux-là. She will testify. Parce que les âmes de ceux-là vont crier. Because the souls of these people, amen, which we shall les âmes de ceux-là vont crier. And the souls of on va se tenir debout. Let's be honest. Yes, elle avait sur elle sûrement un poste à l'église. She maybe had comme aujourd'hui, moi, j'ai un poste à l'église. For example, for myself, pastor, pastor has a position in church. Tout le monde a un poste à l'église. Alléluia. Mais ce qui compte, c'est qu'on a un poste auquel Dieu nous appelle. Position with God. Et ce poste-là, c'est de gagner des âmes. C'est un poste à vivre. C'est une position pour gagner des âmes. Alléluia. Et ce poste-là, Dieu va nous demander. Il va pas seulement demander au pasteur. Ça, c'est son appel. Et spécialement, il va lui poser certaines questions qui sont rapprochées à son appel. Mais à toi et à moi, il va nous poser. Ask us questions. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait. What did you do during your life? Qui as-tu trouvé comme âme importante? What did you find as an important soul for my kingdom? Alléluia. Bien-aimé, ta faiblesse d'aujourd'hui, weakness of today, peut crier contre toi. Can cry against you tomorrow. Pour d'autres, c'est la timidité. For others, it's shyness. Pour d'autres, c'est for others, le manque de compréhension. The lack of c'est même la on peut dire qu'il est lent à comprendre les choses. Alléluia. Mais bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Time is not for la Bible déclare que le second nom de Dieu, c'est le temps. Si tu n'accomplis pas les choses que tu dois faire dans le temps, celui qui est le temps viendra dans le temps. Et il viendra te trouver. Et il te dira, puisque le temps ne t'appartient pas, l'heure est arrivée. Toi-même, je donne l'heure. Il va te poser des questions. Alléluia. Il va te poser des questions. Des personnes sont mortes. And people die. Est-ce que tu sais s'il y a des personnes qui sont mortes dans votre groupe? There are people that die spiritually. Est-ce que tu sais? Physically. Est-ce que tu sais? Do you know? On te dit évangéliste. Say, non, j'ai peur de parler. I'm scared to speak. Mais quand tu sors dehors, ou quand tu go out, or when you take your phone, il y a celui ou celle qui anime les groupes de WhatsApp. Just animating the groups of WhatsApp. Il y a celui qui est toujours sur Facebook, the one on Facebook. And make quand on regarde ton Instagram, c'est rempli de toutes choses. Mais jamais tu as vu une parole de Jésus. Jamais tu as vu une parole qui dit que donne ta vie à Jésus. Mais je te dis quelque chose ce matin. Si tu me vois ici présent, c'est parce que quelqu'un m'a évangélisé. Il m'a parlé de Jésus et j'ai accepté Jésus. Et même ma vie était terrible. J'étais perdu sans Christ. Je te dis que j'étais perdu sans Jésus. Et aujourd'hui, je suis dans sa maison. C'est parce que quelqu'un m'a parlé de lui. Et je crois que si toi-même tu l'as également, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de lui. Qu'est-ce que tu fais à ton tour? So what do you do? Qu'est-ce que tu fais à ton tour? What now? Fais. What do you do now? De la manière tes larmes sont en train de couler. So the same way your tears are running now. Faut vraiment que really, ces larmes coulent pour des âmes. This flow for souls. Il y a des émotions qui passent. On n'a plus besoin des émotions. Parce que les gens prêchent bien. On a les émotions, on pleure. Parce que quelqu'un chante bien, on a les émotions, on pleure. Bien aimé, nous ne sommes pas venus pour chanter sans atteindre un but. Parce que le but de chanter, c'est qu'une personne accepte Jésus. Il y a des personnes qui crient des cris de détresse à la maison. Ils font des prières. Ils se mettent à quatre pattes. On their knees. J'ai envie d'arrêter la masturbation. I want to stop masturbation. Père, j'ai envie d'arrêter la musique. Stop all this nonsense. J'ai envie d'arrêter de désobéir à mes parents. J'ai envie d'arrêter de voler. J'ai envie d'arrêter beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu fais? But what do you do? Tu viens à l'église pour faire la musique. Quand tu vois ton frère, tu lui dis oui, tu viens d'habiller. Mais tes yeux sont limités pourquoi? Tu t'arrêtes à ce qui est à l'extérieur. Mais c'est pas parce que quelqu'un rit avec toi que tu penses qu'il n'a pas de problème. Est-ce que quand quelqu'un se masturbe, on écrit son frère qui se masturbe? Est-ce que quelqu'un va te faire devant ton église
que moi qu'il braque. Go ahead and masturbate or forcément se connecter. We have to connect. Tout moment, la Bible déclare. Because the Bible says que pendant qu'il encore joue, l'heure d'annoncer l'évangile, the hour of c'est maintenant. The gospel is now. Parce que la nuit viendra. Night will come. Tu pourras même pas parler. Dieu va te poser des questions. Il connaît la réponse. And he knows mais il va answers, éventuellement te poser des questions. You et il va entendre ce que and tu vas lui dire. Alléluia. La Bible déclare que toute occasion, prêcher l'évangile. Amen. À prêcher l'évangile. Ne joue pas avec ton âme. Donc ne joue pas également avec l'âme de ton frère. De la même manière que tu t'aimes, que tu as besoin de l'église, tu dois emmener quelqu'un à l'église. Vous voyez le nom que nous sommes ce matin. Parce que parfois ce n'est pas une question, c'est pas une question. On prie dans cette église, mais on n'a pas la compréhension des choses. Il y a le message qui est là, mais on n'a pas la compréhension des choses. Je ne sais pas si c'est l'esprit d'incrédulité, si c'est quel autre esprit. Mais bien aimé, Dieu ne demandera pas au pasteur. Elle a joué son rôle. Alléluia. Quel est ton rôle? So what is your role? Quel est ton rôle? What is your role? Est-ce que tu t'es posé la question? Did you ask yourself this question? Pour toi, tu es chrétien, tu viens à l'église chaque dimanche. You come every Sunday. C'est pas la religion. It's not religion. Nous sommes quittés à cette table. We on a dépassé cette table. We left the table already. Déjà, si je pose la question à cette personne ici, depuis quoi tu es à l'église là? Tu as gagné combien d'âmes? So, if I ask to somebody, since you've been in church, how many souls have you won? T'en as gagné combien? Dans cette église, t'en as gagné combien? Combien sont dans cette église que toi tu as mené? Combien d'années que tu es dans cette église? Combien d'âges que tu as? Combien d'années que tu as donné ta vie à Jésus? Combien d'âmes que tu as remporté? Alléluia! Combien d'âmes que toi tu as pu refuser? L'homme ne peut pas emmener quelqu'un, c'est-à-dire. On ne peut pas forcer une personne à accepter Jésus. Mais la Bible déclare qu'on a quelque chose qu'on peut donner à une personne. Et cette chose-là, c'est la semence divine. C'est la parole, c'est l'évangile. Alléluia. Cette parole-là, quand elle viendra dans le cœur de quelqu'un, la Bible déclare que le Saint-Esprit viendra. Et parce que la parole appartient, parce que les Écritures ont été inspirées par lui, il viendra parce que cette parole appartient. Il doit mettre la parole quelque part dans le cœur de la personne. Il doit faire monter cette parole quelque part. Tu vas élever ta main vers les cieux. You need to raise your hand. La première chose que tu vas faire, c'est de demander pardon. To ask is asking for forgiveness to God. Parce que nous sommes tous coupables dans cette vie. We are all guilty in this church. Alléluia. Alléluia. Nous sommes coupables. We are guilty. Tu vas fermer tes yeux. Close your eyes. I surrender. Bien aimé, ouvre ta bouche et parle à toi. Ouvre ta bouche et approche-toi de
Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness, dear Lord. Have mercy on me. Yahweh, have compassion on me. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. I will tell you something. Écoutez, listen really well. Dieu nous a créé, God nous a créé pour le servir, to serve Him. Et nous a créé, He created us, gagner des âmes, to win souls. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qui se passe dans le secret. What's happening in the secret? L'ennemi torture les gens.
torture les sorciers, torturing, il torture les satanistes, wizards and satanists. Après, peut-être pas, il arrive parfois dans les témoignages, ils disent que j'ai 200 jours. Il s'est défaté pour tout le monde. Il y a personne, so that rentre en enfer. Tu n'as jamais jeûné pour quelqu'un. And you never fasted for jamais soul. Jamais jeûné pour quelqu'un. You never fasted jamais for jeûné someone. Pour ton frère. Never fasted jamais for jeûné pour never personne dans ta vie à Christ. Who wants to give their life to Christ. C'est difficile pour and toi. It's hard for you. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en Christ, il n'y a pas de choco. Il n'y a pas de belles femmes ni de beaux garçons. Parce que ces choses vont te laisser. Ces choses vont t'abandonner. Mais ce qui ne t'abandonnera pas, ce qui ne quittera pas le monde, c'est la parole de Dieu, l'évangile. Bien-aimé, le monde passera. Même ta vie passera. Ton âme, bien-aimé, beloved. Va quitter la terre. We leave. Mais la seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui a la puissance. Cette parole qui est l'épée. Il déclare dans le livre de Proverbes que la parole de Dieu est comme un marteau. Is like a hammer. Oh my God. Est comme un feu. Like a fire. Alléluia. Utilise la parole que tu as. Même si c'est Jean 3, verset 16 que tu as. Utilise car Dieu a tant aimé le monde. Gagne une personne à Jésus. Gagne une personne à Jésus. C'est très important. À partir d'aujourd'hui, fais un bilan de ta vie. Fais un check-in de ta vie. Combien de personnes tu as gagné à Jésus. Fais-le. Regarde une personne à Christ. C'est important. Prends ta vie au sérieux. Et si tu pourras prendre la vie d'une personne au sérieux. Alléluia. Tu vas prendre ce dernier sujet de take this last point of prayer. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. To ask for the help of the Holy tu vas crier à son aide. To cry. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, viens et aide-moi. Come and help me. Saint-Esprit de Dieu, viens et aide-moi. Aide-moi à être quelqu'un qui annonce ton amour. Et bâti ma vie. Et assois quelque chose de solide dans ma vie. Come and build something strong. Afin de regarder de parler de toi. Think about you. Holy Spirit of God, come and help your children. Toujours dans l'atmosphère de prière.